On a claqué la traversée, donc ça peut être compliqué pour ET3, mais je pensais que je l'avais ici. Donc 1000, non, 2500 points de vie sur Senzo. Ça se trouve, il joue pas du tout retrait et on se trompe, hein. C'est bien lui, putain, c'est lui. Ah, c'est le petit enfoiré qui nous avait mis à 0 PA, hein. Quand je dis 0 PA, c'est pas, j'exagère rien, c'est vraiment 0 PA. Est-ce que j'ai encore, est-ce que vous avez clippé ce moment-là? Non, non, évidemment. Ah, quel enfer, quel enfer. En fait, si vous voulez, on était dans une situation avec un Gazelle. J'étais ici. Il y avait Senzo là. Il y avait Massacro là. J'étais dans un Gravita. Dans un mur de bombe haut. Donc retrait. Et j'étais avec 0 PA. Et putain, je peux vous dire que ces bolos, ils kiffent jouer retrait. Hein. Ils sont là, ils adorent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le. Enfin, le tour shot, pas forcément, mais juste. On va l'atomiser là avec Tilt. Hein. On va le détruire. T'as mis sur YouTube? Non. Non, non. Ouin ouin use. Eh, c'est vrai qu'il y a les modes ouin ouin maintenant. Vous pouvez vous amuser à mettre des ouin ouin. Sur mon stream, mais aussi sur les autres streams, d'accord? C'est dans un best-of. Ah, c'est dans un best. C'est ton best-of YouTube. Moi, je l'ai pas mis dans un best-of, ça. Hein. Peut-être que vous l'avez vu ailleurs, mais. Ah oui, il y a un best-of qui est sorti à 3 h, ok. Ok, pardon, j'avais pas vu. Tout est ma faute. Combien de points de vie sur El Tocardo Senzo? Senzo. Ah, c'est rigolo de jouer retrait, hein, Senzo? Hein? Bah oui, hein, Boudi. J'ai si peu de runes à mettre. Tac, tac. D'accord, je vais quand même me rapprocher un peu. Hein. Tu m'as donné la portée? Non. Un petit FDP. Oh, le langage. Respecte ce petit enfoiré, Tilt. Ouais. Fosse commune. Il va me tacler, non? Je me fais toujours emmerder, moi, hein, de toute façon. Ouais. Donc, onde, polarité. D'accord. Onde, polarité, brèche et brèche. Ah, je peux pas. Ouais, c'est une brèche ici. De toute façon, il y a déjà l'état. Faut juste mettre une rune. Je fais quoi maintenant? Ah merde! Ah merde! C'est vrai que j'ai bloqué mon sacri. Tranquille, tranquille. C'est moi qui suis pesanteur, c'est pas lui. T'as mis l'ébène. Ah, j'ai mis l'ébène aussi sur le compoteur. Bah, tour de merde. Hein. En même temps, putain, il m'a tellement counter de ouf l'autre. Ah putain. J'ai mis Ben sur le pavois, Nac. Dac. Ouais, par contre, là, il est bien gêné. Ok, le ravage, c'est cool. Il reste 9 PA. Mais regardez ce putain, mais regardez cet enfoiré de merde là. Son plaisir, c'est de ruiner le mien. Enfoiré. J'ai 6 PA, j'ai 6 PA, mais putain, mais quel mode de merde! Arrêtez de jouer des stuff retrait, on se fait chier! Vous pensez qu'il s'amuse, lui? Ne vous inquiétez pas, il s'amuse pas, hein! Vous pensez que son Yop, il est content de devoir bond dans un glyphe aveuglement? Ok. Ouais. Sacrifice Féga pour quand du coup?
Le truc, c'est que le SRAM en soi, il me fait peur. Mais le SRAM, il va pouvoir juste mettre des fourvoiements. Ou alors, non, il pourra choper à Diago. Je sais pas s'il y a une plume de Burado. Ouais, il a Burado. Donc, il pourra quand même me faire un dégât, quoi. Alors, Tilt, ouais. Tilt, qui a eu des petits soucis, apparemment. Tilt qui a fait un truc bizarre, là. Bah je vais le debuff et je vais le vulné hein. Donc hop, je peux faire que ça juste pour rire à la surcharge. Ouah, quand même ça passe à 700 hein. Toujours ça, l'onde tellurique 300. Bon, on va aller mettre une petite surcharge du coup. On va se décaler là. Donc 900, 950 HP. Hop, ça part en Bible. Et un vu du... Putain. Savais-tu, petit fruit, c'est ouf, c'est ouf. Que la qualité, ça prend du temps. Place pas la pluie et le vent. Savais-tu, joli fruit, que certains coquins ont mis au point des pchits. Ostra a quand même pris cher. Pour nous faire Tilt là, il y a un peu gêné. Donc je sais pas si tu peux buter le SRAM. Un pchit, deux pchits, trois pchits pour qu'on grandisse quatre fois plus vite. Il m'a complètement annulé mon combat, hein, ce petit connard. Il m'a annulé mon combat. T'es là, tu veux jouer à Dofus, et tu te retrouves avec 3 PA bloqués dans un Gravita 24-7. Putain. Et c'est de la merde, hein. Il n'a aucun impact dans la partie, cet enfoiré, en fait. Il n'a aucun impact. Mais il est content, il joue son mode de bolos full retrait. N'importe quoi avec l'environnement. Savais-tu, petit enfant, que la qualité ça prend du temps. Qu'on ne remplace pas la nature et le temps. Un pchit, deux pchit, trois pchit pour qu'on grandisse quatre fois plus vite. Cinq pchit, six pchit. T'as proba, oui, proba, proba. Avec un mode surcharge. Est-ce que t'as la transpo Arjula? Parce que moi je vais, dans ce cas je vais t'envoyer un gardien que tu pourras coop. Ça sert à rien là que je débuffe le Feka. Tu l'as, tu peux la faire. Bon. On en veut pas, on grandit et on grossit. 1300 HP sur Senzo. Très bien, qui relance le rempart. Salut Magua. Et salut Choco. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le tomber faire. Ouais, FK limite, c'est pas mal hein. En vrai. C'est juste que là, il peut se barricade. Ouais, voilà. Et la barricade. Ok. Quel déchet. Quel déchet, mais quel putain de déchet. Et quand vous tombez avec un mec comme ça, avec, hein.
putain, mais faites-leur comprendre que c'est de la merde ce qu'ils font, hein. C'est ouf, le gars, de tout son tour, il va faire un moins 500. C'est à chier, il n'y a aucun impact. T'as pas d'impact. C'est juste que t'emmerdes tes adversaires, t'emmerdes tes alliés. Dégage du jeu, en fait. Tilt, je te jure, Tilt. Tue-moi ce bolos, tue-le-moi. Oh. Ok. T'es toujours avec ton arc Cthulhu, Tilt? Il y a plus de... Ah si, il y a un rempart quand même. Ouais, ça fait mal sur le coup d'arc. Au pire, c'est pas grave, je vais le tuer. D'accord. Tu lui as mis un ébène. Il n'y a pas de scintille, hein. Salut Deomingo. Il a deux ébènes. Ouais. Tu penses qu'il meurt avec ton ébène, là? Le truc, c'est qu'il va falloir que je focus le SRAM à mort. Donc je vais mettre mon ébène sur le SRAM. J'ai pas confiance, je sais pas s'il a un senti. Je vais juste mettre un coup alors, d'accord? On va vulner le Yop. Ok. Je pense que tu crèves. Ouais, c'est pas je pense, c'est sûr. On est sur un upper joué comment? On est sur un upper joué avec 0 PA. Voilà. Ok, précis pour ça, bizarre. Bizarre. Ouais, j'aurais peut-être pas dû mettre mon ébène sur le SRAM. Que voulez-vous? Après, il y a déjà une marque, quoi, mais... Parce que là, je suis en Nebuba, il faut que je mette un max de runes. Tac. Tac. Polarité. On va prendre un petit peu de vol de vie. Ça comme ça, il y a un retour précis. Je vais le tuer prochain, je pense, hein. D'accord, il est mort lui, hein. Ah, lui, il rejoue pas. Ok. On fugue, c'est dommage parce que ouais, du coup j'ai pas mis les bennes sur le Yop, j'avais un doute sur si c'était suffisant, mais il y a quand même quelques runes. Et du coup on se tape un Yop qui perd une Vita, mais je suis en Ebuba donc je peux pas lui faire 2000.
J'ai pas l'empreinte. Création. Est-ce que j'ai la maîtrise quand même à faire? Parce que là, sur un seul mec, je pourrais pas poser masse rune. Hein. Autant vous le dire. Bon. 1600. Là, je peux y mettre un ébène. Donc on va éther. Création. Tac. Tac. Hop, on fugue. Compliqué quand même, hein. Je pense que je crève quand même. De toute façon, on n'a pas le choix là. Il doit tout tenter. Il m'a mis un ébène, hein. Ouais, je meurs. Putain. Dommage, dommage. Putain, 18 minutes à cause d'un féca retrait de merde. Cassez-vous de mon jeu, cassez-vous putain de mon jeu, c'est ouf.